Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 8 septembre 2020 sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne. Comme le veut la tradition, débriefons du quintet plus de la veille qui se disputait ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Miss Believe, le numéro 11, s'impose devant Roque Blanc. Top Prono et Turf Sélection assurent une nouvelle fois en donnant encore tiercé, quarté, quintet plus dans le désordre, le dernier faisant tout de même 219,80 €. Du côté du fameux concours de pronos gratuit, une égalité est à noter pour la première place. Eureka 26 et Jean Valet marquent tous deux 449 points grâce à un quintet plus dans le désordre, accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Un poète complète le podium en marquant quelques petits points de moins. Bravo à tous les trois. Allez, faisons désormais place au tiercé quarté quintet plus du mardi 8 septembre 2020. Le Grand Prix d'Inavena Maïsagri, deuxième course de la Réunion 1, se disputera du côté de Beaumont-de-Lomagne. 16 compétiteurs trotteurs d'âge d'un niveau intéressant se présenteront au départ du parcours des 2550 mètres de la piste à main droite. Une fois encore, il y aura une grosse bataille entre les deux échelons de départ. Démocrate, le numéro 7, n'est plus le même depuis qu'il est entraîné par Pierrick Lemoël. D'une belle régularité dans l'ensemble et venant de terminer excellent deuxième sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, il revient à main droite avec l'ambition de gagner. Brillant Madrick, le numéro 15, a rejoint il y a peu les box de l'écurie de Laurent-Claude Abrivard. Performant tout de suite puisque vainqueur lors de son avant-dernier essai, il tentera de rendre victorieusement la distance ici avec l'aide de Christophe Martens. Défi Pierre-Gilles, le numéro 14, est un compétiteur expérimenté. Redescendant de catégorie quelque peu selon nous, avec l'aide de Léo Abrivard et déféré des quatre pieds, il doit logiquement monter sur le podium. Dame Morgiel, le numéro 8, trouve un superbe engagement en tête à la limite du recul. Déféré des quatre pieds et présenté par l'habile Julien Foin, il est logiquement en mesure de jouer une place dans les quatre premiers. Campion Emilio, le numéro 6, est présenté par un habile Denis Brossard. En forme ascendante puisque troisième lors de son avant-dernière tentative puis deuxième dernièrement, il mériterait de renouer avec la victoire ici. Bloomer, le numéro 13, jouera une nouvelle fois à qui tout double car il ne manque pas de qualité. En cas de non partant, Climax de Bapré, le numéro 4, avec l'aide de David Bakert, introduirait notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.